On m'a dit d'écrire des chansons un peu négatives. On m'a dit tu devrais faire de la chanson festive. On m'a dit tu fais des chansons un peu dépressives. Je me suis dit que j'allais écrire une chanson positive. Alors j'ai écrit pour mes potes qui se mariaient une chanson qui parlait de leur bonheur parfait. Et 2 ans après, c'est qu'on la divorçait. En même temps, le gamin, lui, il s'est rendu compte de rien. Parce que il était toute la journée sur la tablette à regarder des trucs manifestement pas adaptés à son âge de 16 mois. Du coup, il a développé des troubles cognitifs, psychopathiques et autistiques, enfin... Bon, on n'a pas le temps, là, je peux pas vous raconter, mais avec l'incendie chez les grands-parents alcooliques, le jugement qui est parti un peu en... Enfin, c'est un peu tragique. Chanson positive. Oh, on m'a dit, t'écris des chansons un peu négatives. Oh là là. On m'a dit, tu devrais faire de la chanson festive. Oh, festive, festive. On m'a dit, t'écris des chansons un poil dépressif. Oh yes. Je me suis dit que j'allais écrire une chanson positive, positive. Alors j'ai écrit pour ma pote qui a eu sa thèse sur un sujet balèze, les fleurs au bord du fleuve Zambèze. Et 2 ans après, ma pote, elle sert des mâles fleuries dans un McDrive à Fleury. Vous me direz, c'est pas mal pour une docteur en botanique de servir des mâles fleuries à Fleury. À propos de langage Fleury, un jour il lui est arrivé qu'un mec, et puis elle lui demande ce qu'il veut comme supplément croquant sur le mac Fleury. Supplément ton cul, vas-y sale pute, file-moi ton 06. Supplément ton cul, vas-y sale pute, file-moi ton 06. Super charmant, romantique. Du coup elle a un peu flippé. Et le mec, il a carrément attendu à la fin du service. Donc elle a méga flippé, elle a appelé les flics, quoi. Croyez-le ou non, mais c'est le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui est venu en personne. Du coup, elle a méga flippé. Parce que quand tu vois un ministre de l'Intérieur, je sais pas moi, vous rappelez par exemple, il y avait Christophe Castaner. Oh, Christophe Castaner. Il y avait Charles Pasqua. Charles Pasqua, Charles Pasqua. Michel Alliou-Marie, Nicolas Sarkozy. Enfin, quand même, des têtes de mecs vraiment chelous, qui font peur. Bon, après cette digression sur les ministres de l'Intérieur de la 5ème République, vous vous demandez certainement ce qui est devenu ma pote. Elle s'était réfugiée dans la machine à McFleury. Du coup, elle a refroidi. Chanson positive. On m'a dit t'écris des chansons un peu négatives. Oh, négatif, négatif, négatif. On m'a dit t'écris des chansons pas très festives. Une chanson positive, positive. Alors j'ai écrit pour les moineaux, pour les perdrix, une chanson qui parlait d'un petit paradis. Mais le petit paradis, c'est devenu le parking d'un Jiffy. Après, le parking du Jiffy, il est vachement bien. Ils ont mis des gravures de philodendrons sur les poteaux en béton. C'est super mignon. Et puis alors, c'est propre, hein. Y a pas une mauvaise herbe, pas un insecte, parce que la biodiversité, ça fait quand même chier le développement économique. Ça, c'est prouvé. Ouais. Ça a été dit par un ministre de... Pas de l'intérieur, mais du produit internet. Oh, chanson positive. Oh, encore un refrain. On m'a dit j'écris des chansons un peu négatives. Oh, pas positive. On m'a dit tu veux faire de la chanson festive. Oh, je. On m'a dit tu devrais faire des chansons moins dépressives. Je
me suis dit que j'allais écrire une chanson positive. Alors j'ai écrit pour mon petit neveu une chanson pour lui souhaiter un monde merveilleux. Mais 2 ans après ce monde merveilleux, il est nerveux derrière son masque FFP2. Et il va au Jiffy avec un McFlurry pour acheter des photos de philodendron du Zambèze pour un cadeau de mariage qui de toute façon va finir en carnage. Et par un petit rejeton même pas mignon qu'on comme une perdrix un moineau, ça c'est sûr, le gosse il fera pas une thèse, le gosse il fera pas une thèse, il pourra finir, je sais pas, ministre de l'Intérieur ou de l'Environnement. Voilà. J'avais essayé au moins cette chanson positive. On m'a dit t'écris des chansons un peu négatives. On m'a dit tu devrais faire de la chanson festive. En tout cas t'écris des chansons un peu répétitives. En fait, je crois que ça me fait chier, la chanson positive. 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 J'aimerais finir, s'il vous plaît. Et aussi, j'aimerais qu'on finisse. Cette tentative de chanson positive.